Bonjour à toutes et à toutes. Mon nom c'est Alain Frédéric Fernandez, mais tous les acteurs de la formation que vous êtes m'appellent Alf. Et je vous présente une centaine de tutos du DIY, du do-it-yourself, du pratico-pratique pour résoudre toutes les questions de formation professionnelle. Responsable de formation, c'est un métier qui va disparaître. Rassurez-vous, il va être remplacé par un métier incontournable dans lequel vous allez jouer un rôle important, c'est le coordinateur des compétences. Pour exister, l'entreprise devra offrir ses compétences à ses clients et à ses salariés. Et donc, votre service, celui de coordination des compétences, aura un rôle essentiel à jouer. En conséquence, le service formation sera directement sous les ordres de la direction générale. Il ne sera plus du tout RH ni opérationnel. Il devra en permanence s'assurer que la stratégie est bien mise en action et anticiper les compétences dont les clients ont besoin. Le ou la coordinateur, coordinatrice des compétences devra réfléchir à tous les moyens d'anticiper ses compétences et les moyens de les acquérir. Est-ce que ce sera de la formation directe? Est-ce que ce sera de la sous-traitance, du benchmark? Le ou la chef de ce service de coordination des compétences devra travailler en mode projet avec tous les experts métiers de l'entreprise. Ce nouveau métier va très vite émerger. Préparez-vous, vérifiez que vous avez les aptitudes. Vous devez acquérir les compétences. Il faut être prêt très rapidement à devenir responsable du service coordination des compétences.